Salut à tous et bienvenue sur Wabijack 24, encore une vidéo Forza où on va tester la Lancia Stratos HF Group 4 de 1975. La Lancia, cette voiture est une voiture particulière parce qu'elle est hyper compliquée à conduire. J'ai pas réussi à finir le Grand Prix lié à ça, donc au niveau conduite de ce tour, ça risque d'être très compliqué, je l'avoue déjà. Ça, je sais même pas, j'ai vraiment hésité à le faire d'ailleurs parce que la Lancia Stratos me fait vraiment très peur. Je vais vous montrer déjà, voir l'historique. J'ai pas fait beaucoup de choses parce qu'à chaque fois j'ai supprimé le Grand Prix quand je le faisais. Mais je suis propriétaire de cette Lancia Stratos, qui est une voiture assez célèbre, qui est une des rares voitures à deux roues motrices à avoir battu des quatre roues motrices de Audi à l'époque. Donc vive Grand Tour d'ailleurs pour ça. Et donc du coup, ben, on va la tester, on va vraiment la tester, donc je l'ai lancée, on va la tester sur notre circuit. J'avoue avoir une petite appréhension quand même, vraiment une petite appréhension, parce que c'est quand même vraiment une voiture particulière, et j'ai tellement peur de pas bien faire, donc du coup, voilà. C'est une voiture qui a quand même une belle accélération, 372 kW. 7,6 d'accélération, une accélération de vitesse, pardon, une accélération de 9,4, hein, faut voir ce que c'est, hein. C'est incontrôlable. C'est une tenue de route de 6 et un freinage de 6, donc ça freine très mal. Elle est légère, elle a un couple de 467 Nm, c'est à dire que la Corvette qu'on a testé juste avant faisait moins que ça. Et donc voilà, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Voilà, on arrive à Top Gear, il y a quelques nuages qui traînent. Si par malheur il y a de la pluie qui tombe, ça peut arriver je pense. Si ça arrive, il y a toujours marqué pluie à côté du temps, hein. Donc ça sera une des conditions. Mais en revanche, il fait à peine jour pour une fois. C'est très rare. Donc là, départ lancé. Alors j'ai pris une livrée très très rallye Monte Carlo. C'est prévu, hein. Il y en a des gens qui font un travail de folie et ça se voit. Et regardez ça, elle tient mal. Mais le bruit est génial, regardez. C'est une folie cette voiture. J'ai très très peur. C'est une voiture qui me fait très très peur. Aïe 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 aïe, c'est bon, elle tient. Ça va me faire perdre énormément de temps ça, mais c'est une voiture que j'aime beaucoup en plus, hein. J'aimerais bien pas trop la ridiculiser. Oh là là, ça crie, c'est horrible. Les changements de rapport sont hyper longs. Alors ici c'est le virage qui m'inquiète le plus. Je sais pas si ça devrait. Même ici, regardez, punaise. Allez, 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 on va y arriver. On va y arriver. L'intérieur, je vous montre. Voici l'intérieur d'une Lancia Stratos. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, j'ai peur. J'ai peur. C'est bon, c'est bon. Allez, je suis très très concentré. Elle a fait le tour en 1,18, donc ce qui est loin d'être mauvais. C'est un tour très correct, n'oublions pas que la voiture date des années 70. Et je suis content de pouvoir l'honorer légèrement parce que je l'avais acheté et pas pouvoir faire le Grand Prix correctement, ça m'avait... Oh là 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 là. Ouais, les Lancia étaient un peu tricheurs apparemment. C'est un peu ce qui vient de se passer là. Mais bon, avec une voiture pareille, ça me fout la gerbe. La voiture est vraiment pas très stable. Allez, fonce, fonce maintenant. Oh punaise, même en accélérant ça détourne. Un tour de volant et c'est foutu. Une seconde en moins, ça c'est chouette. Très chouette. Allez, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Ici c'est très dangereux. Allez, 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 là maintenant on appuie sur le champignon. C'est parfait. Ouh, on a fait un très très bon tour. Allez, allez, allez. Allez, tourne pas trop. Oh, c'est pas l'accélération que je voulais, c'est pas grave. Pour l'instant, elle est pas mal. C'est une voiture de rallye, quoi, hein, vraiment. Drift correct, c'est la première fois que je drift.
Elle a fait 1.18.546, c'est le meilleur. 1.18.546 sur le dernier tour. On va essayer de faire un peu mieux maintenant. Ça va être compliqué là. Si je fais une sortie, ça fait compliqué. Ouais, là, ça va être là, c'est foutu. Là, je peux pas rembobiner, j'ai rien percuté, donc pas de rembobinage. Oh là, là, je fais n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Là, le tour est immensément long. Si c'est irrattrapable, je ferai le reste en cabine, en cockpit. Ouais, c'est. Ouais. C'est pas irrattrapable, hein, mais. On teste, on verra sur la prochaine. C'est pas irrattrapable donc. Allez là, j'accélère. Je vais essayer de faire un truc qui me fait très peur. Du coup, on a rien à perdre. On a 0,4, on a récupéré. Oh non! La sortie est totale là. Ah! Alors attendez, quand c'est comme ça, là c'est de la triche. Hein, donc on va refaire un tour normal. Ici, c'est parce que là sinon ça devient n'importe quoi. Là ça devient n'importe quoi, la voiture n'a pas à sortir. Hein. Moi je serais revenu sur le terrain quoi. C'est pas le but du trajet de faire n'importe quoi. Je vous avais dit, hein, ça allait être un peu compliqué. Hein. Oh! Ouais, elle drifte bien cette voiture. Non, c'est pas battu. C'est pas battu de 4 centièmes. Donc 401 centièmes, je sais pas comment on dit. Mais elle a fait un tour de 1.18. Hein, c'est pas loin de la Lamborghini. Il faut imaginer que la Lamborghini a fait 1.15. Hein, alors je pense que c'est parce que c'était le premier tour que. La Lamborghini, c'était la première voiture que j'ai testée. Ça me paraît tellement fou qu'elle soit si basse en fait dans le classement. Que je me dis qu'en fait c'est moi qui ai mal conduit vu que c'était la première voiture que j'ai testée. Mais elle a fait un joli score de 1.18 et 500 centièmes. Donc c'était plutôt pas mal, j'espère que cette vidéo vous a plu avec cette Lancia Stratos et sa super livrée rallye tout simplement qu'un fan a fait. On se retrouve à très vite sur Wabijack24. Salut, salut.